Processus qualitatif. Donc, D log oméga, c'est égal à D log oméga DE à V et N constant DE plus. Oh, mon crayon est en train de mourir, je pense. D log oméga DV à E et N constant DV plus D log oméga DN à E et V constant DN. OK, on va supposer qu'il est mort. Donc, si j'utilise maintenant ce que je viens de trouver ici, vous voyez que j'ai D log de oméga est égal à DE sur KBT plus P sur KBT DV moins mu sur KBT DM. Donc, si je multiplie les deux côtés par KBT, le KB D log oméga, ça va être DS. Donc, ce que j'ai montré, c'est que TDS est égal à DE plus PDV moins mu DM. Croyez-moi, vous allez être tanné de voir cette expression-là, parce qu'on va l'utiliser sans arrêt. OK? Donc, le changement d'énergie, c'est la chaleur absorbée moins le travail, hein, parce que là, je mets ça de l'autre côté. Ça, c'est le travail. Fait par le système, on met ça de l'autre côté, c'est moins le travail, plus potentiel chimique fois DL. L'énergie, donc, ça va de l'autre côté, le potentiel chimique augmente quand je rajoute. Le nombre, l'énergie augmente quand j'ajoute une particule, puis ça augmente par l'intensité qui est déterminée par le potentiel. Potentiel chimique. C'est bon, donc ça, c'est, vous voyez, c'est pas très compliqué, mais très, très, très important. On va revenir là-dessus continuellement, en particulier au chapitre 5. Donc, pour terminer, il me reste combien de temps? Pour terminer, je vais faire on va faire des propriétés de l'entropie. Donc, je vais énumérer 6 propriétés de l'entropie en espérant que j'en oublie pas. Merci.